Avec 1000 km de canalisation, le syndicat des eaux de la presqu'île de Gennevilliers, un groupement de 10 communes des Hauts-de-Seine, assure la distribution de 35 millions de mètres cubes d'eau potable par an à 620 000 habitants. L'eau potable est une compétence des communes. Depuis un siècle. Donc les communes du nord du département du 92 se sont fédérées il y a 85 ans. Elles ont créé ce syndicat en 1933, l'objectif étant de construire une usine sur le Mont Valérien, de pomper l'eau de la Seine, de la rendre potable et de la mettre ensuite en distribution dans les communes du nord du département. À partir du 1er juillet, votre eau de robinet sera moins calcaire. On sait que les gens se plaignent régulièrement d'une eau dure, d'une eau qui encrasse, qui entartre leurs appareils électroménagers. En 2015, on a signé un nouveau contrat qui répond à ces demandes. On a donc, depuis le 1er juillet 2015, une eau qui est moins chère. Et à partir du 1er juillet 2018, on va avoir une eau qui va être plus douce. Pour y parvenir, Suez, délégataire du syndicat des eaux, a engagé de lourds travaux de modernisation de l'usine de traitement du Mont Valérien. Ce qui a été effectué sur cette usine dans les trois dernières années, ce sont des travaux de modernisation d'une filière qui existait déjà. Donc on a ajouté de nouvelles fonctions de traitement à des ouvrages déjà existants pour répondre aux attentes du syndicat qui était de produire une eau décarbonaté, c'est-à-dire avec moins de calcaire qui sera distribué aux consommateurs, et également de renforcer le traitement de cette filière sur les paramètres sanitaires et matières organiques.